Et yo tout le monde, c'est Antogam, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Call of Duty Black Ops 3. Go! Alors, en parlant de Call of Duty Black Ops 3, vu que j'ai eu Skyrim il y a pas très longtemps que ça, et il faut que, genre un jour sur l'autre, je ferai un Skyrim et après je ferai un Black Ops 3. Genre je serai Black Ops 3, demain, ça sera Skyrim, etc, etc. Voilà, vous avez compris, Black Ops 3, Skyrim, Black Ops 3, Skyrim. C'est un peu compliqué, mais je pense que vous allez comprendre. Bon, pour l'instant, on va continuer Black Ops 3. Et voilà, normalement, là, ça va commencer, je suis dans l'eau. Et normalement, il y a l'autre qui m'a appelé. Là, je vais me préparer. Eh. Voilà, juste ici, je me suis arrêté. Justement. Ah. J'y suis, c'est juste ici. C'est juste ici. Hein? Là. Ah, c'est bon. J'ai réussi. Hendrix. Oh. What? Le silence complet. Bon, il faut que je prenne un truc, on va prendre. Vu que je suis. On va prendre pro. Hein. Je suis passé niveau 8. Est-ce que je suis passé niveau 9? Ah non, pas encore. Bon, c'est pas si grave. On va continuer ça. Ah d'accord, on est ici. Ouais, ok. Ok, doc. Jour 3, ok. Ça me va. Wow. Ah. Mais quand on sera là? Quel est votre statut? La base est encore sécurisée? Pour l'instant. D'après les vidéos de surveillance, les immortels sont plus très loin. Et ils détruisent tout sur leur passage. Ouais. Sans blague. On sera là dès que possible. D'ici là, tenez bon. Pour être honnête,
pas sûr qu'on puisse sauver Kane. Ces enfoirés plaisantent pas. Ouais, nous non plus. Et on partira pas de Singapour sans elle. Ok, je te suis. Les immortels massacrent tous ceux qui se trouvent entre eux et la base. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc pareil. Il reste sûrement des immortels dans le coin. Il faut qu'on s'éloigne de la rue. Ok, on va couper par ici. Ça nous rapprochera. Ils l'ont tué ? Oh merde. C'est bon. Après ce qu'on a fait à son frère, Kok Xiulan est folle de rage. Ses soldats seront sans pitié avec tout le monde. Et quand on la trouvera, on sera sans pitié nous aussi. C'est pas une bonne nouvelle. Il faut abattre Cha-Chang. Wow, quand tu parles de beau vieux temps, il m'a pas trop manqué le beau vieux temps, hein. Mais bon. Tu sais, quand on aura sauvé les liches de Kane. Même si le jeu est compliqué. Parce que je ne suis pas mis en recrue. Donc. D'abord Kane. Et ensuite Taylor. On n'abandonne pas les nôtres. T'es sûr que Kane est des nôtres? C'est reparti. J'ai dit. Bah, y a pas de problème. Voilà, déjà je l'ai tué. La situation est pas prête à s'améliorer. On aurait jamais dû venir à Singapour. Ouais, mais bien. Mettez-vous à couvert. On s'occupe d'eux. Oh, ça va. J'ai sauvé 3 survivants. Ça va. J'en ai sauvé 3. Non, pas ça. En plus, regardez, je suis niveau combien? 5. Attends. Ah non. Je suis déjà niveau 5. Tu comprends pas, Taylor. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Tu nous as vendus. T'as révélé les infos classifiées à l'ennemi. J'ai dit la vérité. Derrière sa belle façade, la CIA a fait des expériences illégales sur des êtres humains. Des expériences qui un jour se retourneraient contre eux et provoqueraient la mort de centaines de milliers de personnes et la souffrance de plus encore. Alors dis-moi. Qui est le méchant dans l'histoire? Ceux qui ont survécu à une catastrophe survenue juste devant leur porte? Ou les enfoirés en costard?
mortel entre dans la base. Kane est perdu. Grimpe là-haut, trouve-moi un passage. J'espère que t'as raison à son sujet. Tu feras rien. Barrez-vous, vous! Il y a quoi sur ma gauche? Pourquoi j'ai cette arme? Ouais. Tac. Oh, il y a un sniper. Et voilà. J'ai éliminé le sniper, c'est ça qui est... Ah, il y en a un deuxième, attends. Voilà. Ah. Tac. Il tue des gens. Je les tue aussi. Prenez-vous, vous aurez dû vous barrer en courant. Hein. Oula. Allez, barrez-vous. Bon, c'est pas si grave qu'ils nous ont vus. J'en ai éliminé plein quand même. Hein. Tu dois être fier. Ah. Mais bordel, c'est quoi ça? Attends, je sais même pas. Pas genre plus t'approcher pour que je te voie mieux. Ah d'accord, c'est ces trucs là. Ouais, c'est le dernier, même si c'est pas vrai, c'est déjà le dernier. Pourtant on n'a pas tué Chitang. Non, je rigole, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ah! Oh, bien joué! Par contre, ça, c'est pas bien joué, par contre. Non, non, non! On va tirer cet ASP. On devrait monter sur les toits. On aura une meilleure idée de ce qui nous attend. Attends, prends-moi. Ah! T'inquiète, j'ai un snipe. Non, mais là, je peux pas y aller. Ah, j'ai vu un mec passer. Je sais pas du tout si vous l'avez vu. Tac. Éliminé. Vois
C'est un peu dur quand même. Attends, je les vois pas. Et ils étaient où? Hendrix, couvre-moi, s'il te plaît. Petit robot. Ah. Ah, il y a du feu, ok. Hendrix, putain. J'espère qu'on y arrivera. Si je reste pas près d'Hendrix, ça va être chiant. Vaut mieux qu'on reste près à 11. Ok, ça c'est fait. Il en reste beaucoup ou pas là, Hendrix? Vas-y, moi je te suis. Hein. Allez, vas-y. Voilà comment il est mort. Ah putain, ça va être dur. Écoute, moi je le suis, hein. Ah, on est arrivé. Ah putain, j'aime pas passer devant. T'es sûr que tu veux pas laisser tomber? Pas de question, Hendrix. On ne quittera pas sa gamme sans elle. Ils sont entrés dans la base. Je me replie dans la pièce sécurisée. Activation du code noir. Eh, vous étiez passé où, bordel? Vous avez pas entendu ce qu'a dit Taylor? Il vous a contacté? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Taylor vous a dit? J'ai juré de me venger. Oh non. Vous avez bâti des murs autour des faibles et des malades. Vous leur avez tourné le dos. Vous les avez oubliés. Aujourd'hui, les enfants de votre apocalypse vont se venger de ceux qui les ont regardés mourir sans rien faire. Vous récoltez ce que vous avez semé. Accès à notre système de communication. Taylor, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? La décision, la responsabilité, repose toujours sur une personne. Je veux la trouver. Pourquoi? Parce que je dois savoir jusqu'où va ce trou noir. Hendrix, moi je te suis, hein.
Parce que si je le suis pas, je suis pas dans la merde. Ah merde, non, c'est... Moi, je visais sur un cadavre. Ah! Bobo! Ah, j'ai plus de munitions. Eh, c'est les stabs qu'il faut, hein. On dirait qu'ils sont une colonie, quoi. Y'a plus de snipe. Mais par contre, il y a encore des putains de mitrailleurs. Bon, ça va être de plus en plus compliqué. Je me complique la vie. C'est bon, il y en a plus. Ouais, on y va. Quoi? Ah! C'était pour ça le lance-roquette! Ah putain, et moi comme un con, je l'ai gaspillé. Attends. Non, je l'ai encore! Ok, calme-toi. On va le faire. Truc costaud, ok. Truc costaud. C'est pas un truc costaud, ça? Ah, quand même. Attends. Tiens, un truc costaud. Oh, juste avec la grenade. Il ne manquait un seul coup. C'est cool, ça. Viens, c'est là-haut. Attends. Non, c'est bon. Je croyais qu'il y avait une grenade. C'est chiant qu'on est là-haut, hein. Je veux quand même descendre pour vous. Enfin, j'aurais dû rester en haut. T'es où, Hendrix? Ah.
Bon, c'est pas si grave. Enfin, si, c'est grave. Attends, ils ont un robot là? Je t'ai vu. On dirait qu'ils ont un robot. Ah, ils ont un robot. Ah, bah. Ils ont plus de robots. Enfin, je pense. Oh putain, il est encore en vie. Bon, je pense que je vais arriver bientôt. Bon, ça va faire un petit moment quand même que je joue là, que c'est coupé. Et dire que j'étais là-bas et je suis juste ici. Bon, honnêtement, je sais pas ça va faire combien de temps. Mais je suis quand même arrivé. Ah, merci. Bon, en tout cas les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao!